On est synchro là. Là, c'est beau. Timing parfait. Là, toi, tu veux faire plaisir ou à la gente féminine, ou alors ça, c'est les chansons de soirée. Ça, c'est une... J'aurais pu t'en citer plein, mais c'est une, quand je l'entends, celle-là, c'est rock'n'roll, ça part. Ça, sur la route, c'est bien aussi. Ouais, c'est pas mal. Moi, j'aime bien en voiture, celle-là. T'es obligé de partir, quoi. Exactement, ces trois petites notes de début, là, elles ouais. t'embarquent direct. C'est ça. Du pas, coup, je vais me faire un petit kiff. Hein. Je te le dis, je me fais un petit kiff. Du coup, je laisse un petit flow Céline Dion pendant l'interview. Voilà, ce sera du Céline Dion en fond sonore. C'est bien. Tu vas bien? Ouais, très bien, et toi? Super, je suis ravie de t'accueillir. Je sais pas si, je sais que tu as dû. Merci d'être là parce que je sais que tu étais en voiture et tout ça. Donc merci pour ton temps déjà. J'imagine que tu n'as pas trop eu le temps de voir Baptiste qui t'a lancé deux, trois petites piques. Pas trop, j'ai pas trop vu. J'ai suivi un peu à l'affaire. J'ai vu ses paroles et j'ai vu son test. C'était pas trop mal d'ailleurs. Et ouais, dis bonne réponse. Il y en a que deux qui ont fait ça. Donc, ouais. Bien joué, bien joué. J'espère que tu m'as mis des questions mantrèches un peu. Que t'as pas corsé le truc. J'ai essayé d'être soft avec tout le monde. Très bien. On reste sur la même régularité pour tout le monde. Il n'y a pas de J'espère. Favoritisme. Malgré le fait qu'il y ait un maillot que tu connais bien derrière moi, évidemment. Ouais. Personne n'est favorisé. D'ailleurs, le dernier maillot que Baptiste a porté à l'UBB, tu vois, je n'ai même pas dit, mais c'était celui-là qui portait. D'accord. C'est le match des 50 ans le maillot des 50 ans du titre que vous avez porté contre Toulouse la saison du départ de Baptiste. Je m'en souviens. Ben moi aussi, tu vois, on était tous en tribune pour le coup. Du coup, Cash Rugby, le principe, tu vas avoir un petit quiz d'entrée, enfin pas un quiz, mais un texte à trous pour faire une petite présentation pour tous ceux qui ne te connaissent pas. Ouais. Je commence une phrase et tu la termines. Voilà, et ensuite on enchaîne sur des petites questions, pas forcément rugbystiques du tout. Il y en a quelques-unes, mais pas que. Voilà, tout simplement. Ok ? Entendu, je te suis. T'es à Bordeaux, là, il fait très très beau chez toi. Ouais, en plus, c'est le soleil couchant, tu vois bien ou pas? C'est un peu... Non, non, très bien, très bien, on voit très très bien. Ok, très bien. Alors, du coup, bonjour, je m'appelle... Nance Ducœur. Mais mon entourage me surnomme plutôt... Le Cumulus. Je suis né à... Tarbes. Et j'ai aujourd'hui... 28 ans. 28 ans, je joue au poste de... Arrière, numéro 15. Pour le club de... L'UBB. J'ai démarré le rugby dans la ville de Saint-Lary-Soulan, première licence. À l'âge de J'avais 14 ans. J'allais dire sur le tard, je crois. Ouais. Je suis également passé par les clubs de Lannemezan, de Bayonne, de Perpignan, et ça sera tout. Ah, tu vois, je savais pas que tu avais joué à Bayonne. Ouais, 4 ans, en jeune. Très bien. Quand j'étais petit, à part de rugby, je rêvais de Je rêvais de tout et n'importe quoi, mais de ski, de faire un sport de haut niveau en fait. J'ai toujours rêvé de ça. Tu voulais être professionnel dans un sport? Ouais, je m'étais toujours dit, le sport me passionnait depuis tout petit, et je m'étais toujours dit que je voulais réussir dans un sport, donc j'ai fait le choix du rugby et je ne le regrette pas évidemment. Très bien, oui, c'est vrai qu'on nous dit à Macron qui parle, on est en pleine allocution présidentielle et en même temps, c'est un peu l'allocution rugby contre l'allocation présidentielle ce soir. Il y a moyen qu'on passe plus d'audience, sans déconner. Il y a des chances peut-être. Qu'est-ce que, dans la vie, à part le rugby, qu'est-ce que tu adores? J'adore, je suis un épicurien, moi, donc c'est sûr qu'en tant que sportif de haut niveau, il faut faire attention, mais voilà, j'aime bien... partager des très bons moments avec mes proches, mes amis, ma famille, et ensuite me divertir aussi par le biais d'autres sports comme le golf, le trinquet, le surf. Voilà, c'est mes passe-temps favoris. Ok, très bien. Le joueur le plus impressionnant contre qui j'ai joué? J'ai envie de dire, j'ai joué contre lui, on l'a eu aussi avec nous, je pense, c'est Mirabara. Vous êtes plusieurs à l'avoir cité, tu vois. Ouais, non, c'est... Il va vous manquer. C'est quand même phénoménal. Pardon ? Il va vous manquer. Ouais, il va nous manquer, ouais. Et celui avec qui je rêverais ou j'aurais rêvé de jouer, peut-être ? Dan Carter ou... Il revient souvent aussi. Ben Smith. Ils reviennent. C'est des noms qui sont souvent cités. Si demain, il ne devait rester plus qu'un seul plat disponible ? Plus qu'un seul...
Plat. Ouais, repas. Alors, plat, je sais pas, mais si moi, on me dit demain, tu vis juste de nourriture avec un animal, je prends le canard. J'adore. Baptiste a dit un petit confit tout à l'heure, tu vois. Là, tu vois, confit, aiguillette, cœur, quoi. Cœur de canard. Le petit sandwich cœur de canard d'après oh, Feria, normalement, celui-là, il passe crème. Ah, il persil, allez. Exactement. Mon plus gros défaut est D'être un peu tête en l'air. Ok. Et ma plus grande qualité? Je pense ma communication avec les gens. Pareil que tu es doué là-dedans. On entend dire que tu es doué. Ok, bah donc tu es maintenant prêt à répondre à Cash Rugby et tu promets de dire uniquement la. Je le jure. Très bien. Du coup, ça tourne de manière aléatoire. Je choisis juste la première question et ensuite ça arrive comme ça. Donc, c'est vraiment des thèmes mélangés. Il n'y a pas grand-chose qui se suit en général. Eh ben, tu vois, justement, je vais choisir ça directement, moi. Tu disais, tu es bon pour la communication avec les gens. On n'a plus besoin de présenter toutes tes nombreuses vidéos que tu as pu faire, que ce soit parce que là, il y en a beaucoup qui t'ont découvert au final pendant le confinement, mais enfin, t'es pas à tes débuts non plus. Tu avais déjà fait plusieurs bonnes petites vidéos. Est-ce que tu te rends compte, on parle beaucoup de reconversion avec plein de joueurs qui préparent à côté du rugby ce qu'ils feront plus tard. Est-ce que tu te rends compte que ça peut t'ouvrir pas mal de portes pour la suite? Ou est-ce que justement, tu en es conscient et c'est fait exprès aussi? Ben, c'est-à-dire que tout ce que je fais, moi, je le fais pour me marrer, pour me faire plaisir. Donc, oui, j'en suis con... enfin, je fais ces choses-là, bien sûr, dans le but que, bien, si que ça plaise. J'adore un peu voilà, faire des vidéos, faire le con, c'est plus un scoop. Mais oui, peut-être que dans ma reconversion, j'aimerais peut-être, pourquoi pas, m'étendre vers des métiers un peu de communication, télévisuel ou radio. Donc oui, je me dis peut-être qu'en faisant des petites vidéos comme ça, on prépare, on tâte le terrain. Donc en tout cas, je Oui, l'espère. mais parce que tu vois, on en parlait avec Baptiste. Baptiste a été très élogieux à ton sujet aussi, en disant que voilà, tout le monde dit non, il fait le con, machin. Mais à côté de ça, c'est quelqu'un qui est hyper sérieux dès qu'il s'agit de rugby, dès qu'il s'agit de l'entraînement. Il est très talentueux dans ce qu'il fait. Il dit, c'est vrai qu'il est très très bon dans ce qu'il fait. Mais à côté de ça, il faut pas croire que c'est juste un gars qui déconne. Il est aussi sérieux, quoi. Il m'a fait mousser le serin. Je Tu lui ai vois? envoyé des fleurs. Il est mignon. Tu vois, il a été mignon aussi. Et je pense que tu étais aussi content d'apprendre que ton coach a pris ta défense. J'imagine que tu as vu son interview il y a quelques jours. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais non, mais tout ça, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Je crois que quand on parle en bien de soi, mais après, voilà, je garde les pieds sur terre. Voilà, comme tu dis, j'en ai beaucoup souffert parce que c'est depuis tout petit, si tu veux, et de trouver cet équilibre justement entre le sérieux Et le gars qui fait et rire la tout le bonne monde? humeur, voilà. Et donc, je pense être arrivé aujourd'hui à un âge assez mûr, on va dire, pour avoir trouvé cet équilibre. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal d'entraîneurs, de proches qui m'ont dit de faire attention, justement, parce que ça pouvait me desservir dans le sport de haut niveau. Et ils avaient complètement raison, donc c'est pour ça que maintenant ben j'essaie d'alterner, mais de façon bien pensée, c'est-à-dire que je sais très bien qu'il y a des moments pour faire le con, la bonne humeur et tout ce qui s'ensuit, et il y a d'autres moments, bien sûr, comme les entraînements, les matchs et tout ça, où je me dois d'être sérieux et entre guillemets un petit peu de montrer l'exemple, parce que maintenant on fait partie des. Ben ouais. De la génération des 91, des vieux parmi les jeunes. Donc, on est obligé, tu vois, de montrer un peu aussi, entre guillemets, la bonne voie et pas montrer une image de branleur parce que le sport de haut niveau, c'est pas ça. C'est pas que ça, non, effectivement. Et justement, tu vois, tu disais, t'es un peu. Tu dois montrer la voie aux futures générations. Justement, cette saison à l'UBB, j'imagine que tu as fait partie, ben, justement, de ces cadres qui ont connu les années un peu galères. À changer de coach, à passer à ça d'une qualif. Alors, j'imagine énormément de déception de finir cette saison comme ça et de pas aller au bout, de voir ce que ça aurait pu donner, sur la durée, en tout cas. Mais c'était quand même assez énorme à vivre, non, je pense, humainement aussi, cette année-là. Oui, clairement, on a passé une année extraordinaire. Alors, on l'a dit, on l'a répété, ça a été très dur à avaler puisque voilà, l'UBB, on court après ses phases finales et ce possible titre depuis longtemps. Et là, on sentait qu'il y avait un petit peu les planètes alignées. Après, on était assuré de rien, mais c'est vrai
on faisait quand même un très bon parcours. Il y avait quand même pas mal de signaux verts, donc forcément. Ça sentait quand même bon, Nice et les demi-finales. Ça, c'est, tu le sens, quoi. Même au sein du groupe, tout le monde s'entendait bien, ça vivait ultra bien. On respectait tout ce qu'on disait. Tu sentais qu'on était voilà, quelque part en pleine confiance. Et je pense que c'est des équipes aussi, comme à l'image de Stade Toulousain l'an dernier, qui marchait sur l'eau. Donc, ouais, c'est. Le Covid voilà, nous a chippé un peu cette fin de saison. Donc, j'espère de tout cœur qu'on aura encore l'opportunité de revenir et d'écrire l'histoire de l'UBB. Il n'y a pas en plus, contrairement à certaines saisons, il n'y a pas un gros turnover en termes d'effectifs. Évidemment, il y a des départs et des arrivées, mais beaucoup moins que certaines années où il y avait 10-15 nouveaux joueurs qui pouvaient arriver, où il faut recréer une cohésion. Ça donne quand même de bonnes... tu vois, se dire pour la saison prochaine, on peut partir encore sur ces bases-là, quoi. Ouais, c'est ça, tu l'as dit, on garde quand même un très bon socle de joueurs, donc on a très peu de départs qui sont comblés aussi par des belles arrivées. Après, c'est sûr que voilà, j'espère que les facteurs X qu'on connaît tous, comme Penny Ravaille ou Semir Lavra, ne vont pas trop manquer, mais très honnêtement, j'ai quand même bon espoir que le collectif voilà, prenne le dessus et qu'on continue à avancer, à travailler sur quand même les bases solides qu'on a mis en place cette année. Donc, ouais, non, franchement, confiant. Et c'est vrai que c'est plaisant de retrouver un peu le même groupe. Tu sais que tu vas repartir quand même avec 80 ou 90% du même effectif. Voilà. Donc, ça, c'est bien pour les automatismes et pour la continuité. Très bien. Justement, ton compère de toujours, JB, sera là. JB Dubié, il sera encore là lui aussi la saison prochaine. Un petit pile ou face, là, à choisir entre le Non-Sister Challenge ou les X. Ah, compliqué, parce que les X, tu vois, tu le partages quand même. Tu vois, on a fait des tournées dans toute la France. On avait fait Acapulco aussi en 2002. Ben ouais. On avait tourné quand même pas mal à travers le monde et tout ça. Donc, on gardait très, très bons souvenirs de ça. Il y a le DVD qui est toujours disponible pour ceux qui auraient loupé la tournée, ouais. D'ailleurs. Ouais, tu fais bien de le dire parce que là, ça nous relance un peu les ventes. Merci beaucoup. Mais ouais. Et du coup, le Non-Sister Challenge, ouais, un peu plus personnel. Mais comme ça, tout ça touche à ma famille et à ma sœur que j'adore par-dessus tout. Voilà, c'est franchement, pile ou face, allez, je dirais quand même les X. Les X parce qu'on a bourlingué. Mais oui, on espère vous revoir peut-être maintenant qu'on a une belle salle de concert en Gironde à l'Arena un jour. Les X en concert à l'Arena, ce serait énorme. Ouais, plus besoin d'acheter le DVD. Le confinement est arrivé, du coup, on n'a pas pu le. Tout a été annulé de toute façon, donc c'était pas juste pour vous. Donc, on y reviendra. Voilà, une prochaine fois peut-être. Une petite place de côté, allez, c'est pour moi. Franchement, j'aurais peut-être des copines qui voudront venir aussi, je te dirais à la rigueur. Ouais, mais... Elle ne nous ramène pas un wagon, mais... Non. Je vais limiter les places. Tu te doutes que la salle sera con, mais... Eh ben oui, ça va vite partir, les places. On informera tout le monde, évidemment. De deux artistes de la chanson. Je sais pas si c'est... Il paraît que vous êtes inspiré de Johnny, en plus, dans les gènes, donc... Idole, bien sûr. Très bien. Côté copain, on parlait des X avec JB Dubié. Il paraît que tu as énormément de mal contre la doublette Serin-Roumat, notamment au golf. Est-ce que tu n'as pas peur que cette histoire, notamment de Ryder Cup, tout ça se termine un petit peu comme ton expérience au ping-pong contre Baptiste où tu l'as battu une seule fois en 4 ans? Je savais que ça allait arriver, ce genre de question, hein, bien sûr. Le revers de la médaille. Alors, concernant le golf, tu sais, des fois dans les sports, il y a des choses qui arrivent, hein, où les planètes sont alignées. Ouais. Même si le talent n'est pas là, la chance fait que, tu vois. Mais tu réussis tout le jour J, quoi. Donc c'est marrant parce que Baptiste et Alexandre qui sont quand même très bon, je vais pas dire très faibles, mais qui sont pas non plus des aigles golfiquement parlant, ont réussi ce jour-là vraiment à faire du bon boulot, et tandis que nous on était plus en détente, plus là pour passer un bon moment, tu vois, donc on jouait profiter avec les copains, quoi. Ouais, passer un bon moment un peu plus tranquille, donc forcément on n'était pas en mode compète. Eux l'été, mais écoute, le rendez-vous est pris cette année encore pour la deuxième édition, donc on en reparlera. Premier week-end d'août, on a demandé à Baptiste de nous tenir informés. Hein. Oh, putain, t'es au courant, toi. Mais bien sûr, je bosse, moi, qu'est-ce que tu crois? Ouais, pas comme ça, hein, c'est fou. Mais oui, je bosse, moi, tout. Je sais pas tout, mais j'ai des sources, quand même. Je vois. Madame, c'est son taf, la petite. Mais bien sûr, je suis là pour ça, pour vous servir. Question, tiens, sans filtre. En équipe de France, le poste à l'arrière,
franchement, il y a une nouvelle génération qui éclate partout. On l'a vu avec les Six Nations et tout. Et mine de rien, ce poste à l'arrière, c'est quand même assez flou. C'est pas vraiment défini comme peut l'être, par exemple, la charnière ou, tu vois, un peu plus la première ligne. Il y avait une liste de joueurs, entre guillemets, qui avait été réunis dans la shortlist, comme on dit. Tu en faisais partie? Est-ce qu'ils t'ont appelé? Est-ce qu'ils t'ont expliqué pourquoi tu faisais pas partie de ces Six Nations? Est-ce que tu as eu des contacts? Oui, ouais, j'avais été reçu comme pas mal de joueurs et ils m'avaient également appelé pour me dire que de me tenir prêt, mais qu'ils avaient fait leur choix et choix que je respecte évidemment. Et oui, voilà. Après, c'est sûr qu'il n'y a pas un arrière complètement fixé encore au 15 de France, même si Anthony Boutier a fait des très bons matchs. Mais ouais, bien sûr. Bah, après, voilà, c'est. Comme disait Baptiste quand je suis arrivé tout à l'heure, on n'est pas quand même tout. On n'est pas fini, on n'est pas tout vieux. Donc, bien sûr qu'à 28 ans encore, forcément, tu y penses encore, oui. Tu y penses, tu y rêves. Donc, bien sûr que je n'ai pas fait le croix dessus. Et après, voilà, à moi de le mériter. Ça passera par l'UBB, quoi, aussi. Hein? Ça passera par tes performances avec l'UBB. Exactement. Aussi. Espérant la même saison, du coup. Très bien, c'est noté. Mais tiens, sur le rugby, toujours, tu avais prolongé, toi, jusqu'en 2021, donc à la saison prochaine, ouais. Avec l'UBB. Je pense que tu te sens bien au club. En tout cas, c'est l'impression que tu donnes. Toi, tu aimerais continuer à l'UBB ou ça te tenterait aussi une expérience dans un autre club? Je te demande pas de me dire, je veux quitter l'UBB. On n'est pas là pour faire des annonces, tu vois. Mais ouais, potentiellement, ouais. Est-ce qu'une expérience avec un autre club, ça pourrait te tenter? Franchement, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Donc, sur ça, c'est quand même assez compliqué. Puis, je ne me projette pas vraiment. On verra en temps voulu. Mais franchement, je suis très bien à Bordeaux. J'aime ce club. J'aime voilà, les supporters, tous ceux qui travaillent, les joueurs. C'est vrai que je m'y sens très bien. Ma femme aussi. Donc, voilà, il n'y a pas de raison de bouger. Mais après, tu sais pas. Voilà, les opportunités, parfois… Oui, voilà, si un jour il y a une opportunité, tu vas pas dire tout de suite non, t'en sais rien, ouais, tu verras, sûr, quoi. Non, mais on est quand même des mecs sensés, même si je suis très bien là, on étudiera un peu, voilà, toutes les possibilités, s'il y en a, et on verra bien où ça mènera. Ok, très bien. Un petit pile ou face, ski ou golf? Ski. Ski, ah ouais, de loin devant, ouais, le golf? C'est mon premier amour, quand même. J'en ai fait, ouais. De 2h à 14, donc même si maintenant je suis plus passionné et je joue plus au golf. Bah c'est plus. J'imagine que c'est plus facile aussi parce que vous devez avoir des clauses où le ski, ça doit pas être trop autorisé, j'imagine. Non, c'est dangereux. Mais après, tu sais, quand tu joues au golf avec des mecs comme Nathan Decron, entre autres, tu peux très facilement te prendre une petite balle dans l'arcade. Donc ça, c'est quand même aussi dangereux. Faut faire attention. Ouais, il y a des petits accidents qui arrivent comme, voilà. Ça dans n'importe quel sport. Quand tu veux faire du surf, quand tu vois, tout ça, quoi, ça peut arriver. Et puis, je vais dire une phrase que personne ne connaît. Le risque zéro n'existe pas. Mais non, voilà. il faut bien le rappeler. Il faut le rappeler. Tu le disais, ta chérie se plaît aussi à Bordeaux. Tu es plutôt bien accompagnée puisqu'elle supporte évidemment tous tes délires et elle te donne aussi des coups de main. Dont on a pu voir notamment pendant le confinement. Elle a donné de sa personne aussi. On m'a parlé d'une envie de nuit de noces en Turquie. Oui, bon, ça aussi, ça fait partie des sujets où je me fais brancher parce que voilà, je perds quelques tuiles. Bien sûr, mais, tu peux voir que bon, franchement, j'en souffre pas trop. Mais oui, en Turquie… Franchement, vous abusez avec ça parce qu'il y a bien pire que toi. On en parle très souvent. Après, honnêtement, là, je triche un peu, hein, je rabats. On rabat devant la technique. C'est vrai que, notamment sur les temps humides, ouais. J'ai les tarmacs qui commencent vraiment à se voir. Et donc, forcément, on me le fait remarquer. Mais ça va que je ne suis pas le seul, hein. Franchement. Tant que tu n'en es pas à passer au gominage. Je ne sais pas. Pourquoi pas? Mais bon, écoute, si on est en Turquie, je pense qu'on peut remplir un avion, sans déconner. Vas-y, propose. Non, mais déjà, rien qu'à l'UBB, les Roumat, les Lesgourg, les Dubier. Honnêtement, on aura un avion, on va rigoler et on va revenir avec une frange. On va être fabuleux. Avec tous des petits points là, rouges, ouais. Comme ça, ça va être beau les matchs. très bien. Avant de te libérer, de passer au quiz, une dernière petite question. On parlait du poste d'arrière en équipe de France. C'est un petit peu le même schéma avec l'UBB. Tu partages le poste avec Romain Buros et Geoffrey Cross. Est-ce que tu n'es pas un peu fatigué de devoir te battre pour une place de titulaire?
Cite-moi un club où il n'y a qu'un arrière. Pro. Il y a... Là, vous êtes quand même trois, c'est différent. En général, ouais, ils se disputent le truc entre trois, là, entre deux. Là, vous êtes trois et à chaque fois, tous, c'est pas comme s'il y en avait un qui rentrait et qui faisait, tu vois, cagade sur cagade. Ouais, quoi. Bien sûr, bien sûr. Mais après, c'est pour ça que ça marche aussi. Après, Geoffrey, je pense, est plus utilisé à l'aile. Donc, c'est vrai qu'on se partage le poste avec, avec Romain, mais j'ai envie de te dire, dans tous les clubs de top 14, de Pro D2, et puis notamment dans les grosses écuries, tous les postes sont doublés, voire triplés, et c'est ce qui fait aussi avancer, mais j'ai envie de dire, les performances de l'équipe. Sur, ça stimule, et j'ai jamais eu de problème avec ça, parce que parce qu'on l'accepte, et franchement, Romain, c'est avant tout un copain, on a un peu le même esprit là-dessus, donc on se tire la bourre, bien sûr, on le sait, mais on s'entend très bien. Et, oui, c'est bon esprit, sur, quoi. Ouais, voilà, sur le terrain, bien sûr, que ben, chacun... Chacun voilà, essaie de prouver, mais après, en dehors, à côté, il n'y a aucun problème. On est les premiers à se chambrer voilà, sur, sur nos cagades, nos trucs. Donc, bon, bah, donc, et puis surtout, si vous êtes tous bons à votre poste, ça vous permet aussi d'être bons sur la durée. Parce qu'il y a plein d'équipes, justement, qui doublent les postes, mais qui ont en un qui fait tous les matchs et qui, à la fin, est complètement cramé et ça ne tient pas sur la suite. Donc, c'est un petit avantage pour l'UBB, du coup. Exactement. On va pouvoir. Bah évidemment, j'ai vu quelques petits matchs de l'UBB, je surveille ça tout pige, ça quoi. Pige. Bah oui, bah oui, on regarde, on fait de la vidéo, tu sais. on va finir avec le petit quiz. Alors, évidemment, c'est quand c'est avec toi le dernier que ça bug. Ah, ça m'aurait étonné. Attends, ça m'aurait étonné que tu fasses un truc vraiment parfait, tu sais, sans accro. Ouais, c'est. J'avais eu un bug avec Arthur Ituria aussi. On va rattraper ça. Pourquoi j'ai pas le... Alors, attends. Hop. Ça, qu'est-ce qui me manque ? Ça. Ah, c'est bon, j'ai rattrapé le coup. Bien. J'ai rattrapé le coup. Normalement, on est bon. On est bon. Et on est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Pas de stress, Jennifer. Alors, on va couper Céline Dion parce qu'elle nous casse un peu la tête. Ah ben, je l'entendais même plus, tu vois. Ah oui, ben moi, je l'entends bien. Donc, le quiz Cash Rugby. C'est bon, je le tiens. Donc, Baptiste a fait 10 bonnes réponses. Le meilleur score est détenu par Walter Desmaisons. 11 bonnes réponses en une minute. C'est très compliqué déjà d'avoir le temps de poser presque 12 questions. Donc, Mais vas-y, toi, il dit pas débit, t'articules. Ah oui, 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 mais j'ai... on a fait vite avec Baptiste hein, tout à l'heure. D'accord. Ça et bah, tu peux me dire je passe. Tu as le droit de me dire je passe si jamais tu sais pas avec une question. Tu n'as pas le droit de passer deux fois d'affilée, sinon c'est un peu trop facile. Voilà. Et qu'est-ce que je ne t'ai pas dit ? Bah, pas grand-chose. Une minute, une question rugby, une question culture G. D'accord. Ok ? Ouais. T'es prêt ? Ouais. Allez, c'est parti. The game begins in 3, 2, 1. Dans quel stade l'UBB joue le derby de l'Atlantique ? Matmut Atlantique. Comment appelle-t-on un médecin spécialiste des maladies du cœur ? Cardiologue. En quelle année a eu lieu la fusion donnant naissance à l'UBB ? Oh, en 2008. Comment s'appelle la ministre des Sports ? Elle s'appelle... Comment elle s'appelle ? Oh, jolie ! Passe ! Quoi ? Vas-y. On passe. Putain, comment s'appelle le président de l'UBB ? Laurent Marty. Combien font 4 x 8 ? 4 x 8, 34. Combien de points rapporte un essai transformé ? 7. Dans quel pays trouve-t-on la tour de Pise ? Italie. Quel Toulousain a disputé le plus de matchs de Coupe d'Europe avec Toulouse ? Jean-Baptiste Fuchs. Quel est le fleuve le plus long de France ? Ça doit être la Garonne. Qui est l'entraîneur du 15 de France ? Fabien Galthié. Qui chante SOS d'un terrien en détresse ? La compagnie créole. Oh, bordel. C'est une catastrophe. Arrête. Alors, dans quel stade joue l'UBB pour le derby de l'Atlantique ? C'est donc face à La Rochelle, c'est bien. Effectivement, le Matmut Atlantique. Ouais. Le médecin spécialiste des maladies du cœur, c'est évidemment un cardiologue. La fusion a eu lieu et non. Putain, ça ouais. Là, je vais me faire taper dessus. En 2006, c'est ouais. Roxana Maracineanu.
C'est 32 et pas 34. Et après, tu as tout bon. C'est Clément Poitrenaud et c'est le Rhin. Je me dépêche parce que ça va bientôt couper sinon. Ouais. Donc, tu as 1, 2, 3. Je ne dois pas être loin du record, là, franchement. 1, 2, t'embête pas à compter. 3, 4, 5, 6. 6 bonnes réponses. C'est le pire score. Bien joué. Bravo. Non, bravo, bravo. Les questions, t'as fait exprès de les pimenter un peu. Ouais, bien sûr, c'est ça. Excuse-moi, 4 x 8, 32. On peut blaguer, non ? Même sur les mais oui, questions. On peut blaguer. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ton temps, Nance. Avec plaisir, merci à toi. Je te souhaite la même saison avec l'UBB, avec, on espère, un Brennus un jour. Yes. Et puis, bah, à très vite, du coup, sur les terrains de rugby. C'est ce qu'on vous souhaite à tous, en tout cas. Très bien, merci beaucoup. À bientôt, ça, Nance. Salut. Ciao. Merci à tous d'avoir suivi le live et évidemment, j'annonce lundi les deux prochains noms que seront sera lieu donc mercredi. Merci à tous et très bonne soirée. Salut.